Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, il sera question de la correction du sujet BAC ES de la session Métropole juin 2018. Alors, le premier exercice est un exercice sur voie normale et intervalle de fluctuation. Les parties A et B sont indépendantes. Partie A. Le temps passé par un client en minutes dans un supermarché peut être modélisé par une variable aléatoire x suivant la loi normale d'espérance mu est égal à 45 et l'écart type sigma est égal à 12. Pour tout événement E, on note P de E sa probabilité. 1. Déterminer en justifiant la probabilité que x soit égal à 10. B. La probabilité que x soit supérieur ou égal à 45. C'est la probabilité que x soit compris entre 21 et 69. D, la probabilité que x soit compris entre 21 et 45. 2. Calculer la probabilité, arrondie au millième, qu'un client passe entre 30 et 60 minutes dans ce supermarché. 3. Déterminer la valeur de A, arrondie à l'unité, telle que P de x inférieur ou égal à A est égal à 0,30. Interpréter la valeur de A dans le contexte de l'énoncé. Partie B. En 2013, une étude a montré que 89% des clients étaient satisfaits des produits de ce supermarché. 1. Déterminer un intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la population de clients satisfaits pour un échantillon de 300 clients pris au hasard en 2013. Lors d'une enquête réalisée en 2018 auprès de 300 clients choisis au hasard, 280 ont déclaré être satisfaits. 2. Calculer la fréquence des clients satisfaits dans l'enquête réalisée en 2018. 3. Peut-on affirmer au seuil de 95% que le taux de satisfaction des clients est resté stable entre 2013 et 2018? Justifié. Alors, ici, probabilité. Donc on sait que x suit la loi normale de paramètres. Donc, suit la loi normale de paramètres 45 et 12, donc 12 au carré. Ici, on a mu est égal à 45, sigma est égal à 12. Alors ici, P de x est égal à 10, P de x est égal à 10, c'est égal à 0, car la probabilité que x est égal à A pour une loi continue, donc loi normale c'est une loi continue, probabilité que x est égal à A est égal à 0. B, probabilité que x soit supérieur à 45. 45 étant la moyenne, donc l'espérance de la loi normale, eh bien, la probabilité que x supérieur ou égal à 45, eh bien, c'est 0,5, car on a une symétrie de la fonction densité par rapport à l'axe x est égal à 45. Probabilité que x soit compris entre 21 et 69. Eh bien, on peut remarquer que mu moins 2 sigma est égal à 45 moins 2 fois 12. 2 fois 12, 24. 45 moins 24, 21. Et mu plus de sigma, eh bien, c'est 69. Donc ici, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Donc ça, c'est à peu près égal à 0,95 d'après le cours. D, probabilité que x soit compris entre 21 et 45. On va faire un petit dessin ici. On comprend entre 21 et 45. Donc c'est cette R ici qu'il va falloir calculer. Donc, probabilité que x soit inférieur à 45, donc toute cette R là, toute cette R ici, moins probabilité que x soit inférieur à 21. Donc la probabilité que x inférieur à 45, eh bien c'est 0,5, c'est aussi cette probabilité là. Donc ici 0,5, moins probabilité que x inférieur ou égal à 21. On avait calculé la probabilité que x soit compris entre 21 et 69.
si on fait 1 moins cette probabilité, on aura cette probabilité-là et cette probabilité-là. Or, ces deux probabilités, donc ces deux R ici, sont égales. Ainsi, on aura 1 moins 0,95 divisé par 2. Et ça, c'est 0,5 moins 0,0227. Donc ici, 0,477. 0,477. Alors, la probabilité que x soit compris entre 30 et 60. Donc là, c'est pas une probabilité connue par le cours. Donc on va utiliser la calculatrice. Donc, probabilité normale. Donc ici, 45, 12. Donc entre 30. Donc ici, entre 30 et 60. On va trouver 0,789. 0,789. Donc la probabilité arrondie au millième qu'un client passe entre 30 et 60 minutes dans un supermarché est de 0,789. Alors, probabilité que x inférieur ou égal à a est égal à 0,3. Donc pour une TI, il va falloir faire frac normal. Et pour nous, on fait inférieur, on tape 0,3 et on trouve 38,70. Donc 38,70 a est égal à 38,7. Donc 38 minutes et 42 secondes. Donc ici, interpréter la valeur de A. Donc ici, le temps passé par un client, la probabilité que le temps passé par un client soit de 38 minutes et 42 secondes est de donc 0,3. Partie B, donc intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Ici, N est égal à 300, P est égal à 89%, donc 0,89. Condition de validité. Condition de validité. N est égal à 300, qui est supérieur à 30. Ici, P est égal, donc N fois P, c'est 300 fois 0,89. 300 fois 0,89. 267. 267, qui est supérieur à 5. N 1 moins P. Donc c'est 300 moins 267. 300 moins 267. 300 moins 267. Égal à 33, supérieur à 5. Intervalle de fluctuation. L'intervalle de fluctuation est donné par P moins 1,96. Racine de P 1 moins P sur racine de N. P plus 1,96, racine de P, 1 moins P, sur donc racine de N. Ici la racine. Alors soit vous mettez une racine qui englobe toute la fraction, soit vous mettez une racine au numérateur et une racine au dénominateur. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce que racine de A sur B, c'est égal à racine de A sur racine de B. Alors on remplace par les valeurs connues. 0,89 moins 96, racine de 0,89 fois 0,11 sur racine de 300, 0,89 plus 1,96, racine de 0,89 fois 0,11 sur racine de 300. On peut calculer 0,89 moins 1,96 racine de 0,89 fois 0,11 sur racine de 300. Plus 0,92, 5.
0,92, 5. Lors d'une enquête réalisée en 2018 auprès de 300 clients choisis au hasard, 286 ont déclaré être satisfaits. Alors, la fréquence, eh bien, c'est 286 divisé par 300. 286 divisé par 300, ça fait 0,95, 3. Donc 0,95, 3. Donc la fréquence des clients satisfaits dans l'enquête réalisée en 2018, eh bien, c'est de 0,953. On rappelle I, c'est 0,855, 0,925, F, à peu près égal à 0,95, 3. Et bien ici F n'appartient pas à I, donc on ne peut pas affirmer au seuil de 95% que le taux de satisfaction des clients est resté stable entre 2013 et 2018. Alors exercice 2, un exercice de type QCM. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. Aucune justification n'est demandée. Les parties A et B sont indépendantes. Partie A. Dans un établissement scolaire, 30% des élèves sont inscrits dans un club de sport. Et parmi eux, 40% sont des filles. Parmi ceux n'étant pas inscrits dans un club de sport, 50% sont des garçons. Pour tout événement E, on note E bar, l'événement contraire de E, et P de E, sa probabilité. Pour tout événement F de probabilité non nulle, on note P de E sachant F, la probabilité de E sachant que F est réalisé. On interroge un élève au hasard et on considère les événements suivants. S, l'élève est inscrit dans un club de sport, et F, l'élève est une fille. La situation est représentée par l'arbre pondéré ci-contre. 1. La probabilité de S sachant F bar est la probabilité que soit réponse A, inscrit dans un club de sport sachant que c'est un garçon. Réponse B, un garçon inscrit dans un club de sport. Réponse C, inscrit dans un club de sport ou un garçon. Réponse D, un garçon sachant qu'il est inscrit dans un club de sport. 2. On admet que la probabilité de F est égale à 0,47. La valeur arrondie de la probabilité que S sachant F est réponse A, 0,141. Réponse B, 0,255. Réponse D, 0,400. Réponse D, 0,638. Partie B. Soit g, la fonction définie sur l'intervalle moins 1, 4 par g de x est égal à moins x au cube plus 3x au carré moins 1. Et cg, sa courbe représentative dans un repère. 1. La tangente à la courbe cg au point d'abscisse 1 a pour équation. Réponse A. Y est égal à moins 3x carré plus 6x. Réponse B. Y est égal à 3x moins 2. Réponse C. Y est égal à 3x moins 3. Réponse D. Y est égal à 2x moins 1. 2. La valeur moyenne de la fonction g sur l'intervalle moins 1, a est nulle pour réponse A, a égale à 0, réponse B, a égale à 1, réponse C, a égale à 2, réponse D, a égale à 3. Alors, partie A, probabilité que de S sachant F bar. S, l'élève est inscrit dans un club de sport, F bar, l'élève est un garçon. Donc, on sait que c'est un garçon. On sait que c'est un garçon, donc, sachant que c'est un garçon, il est inscrit dans un club de sport. Donc c'est la réponse A. Un garçon inscrit dans un club de sport, ce serait S inter F bar. C'est un garçon et il est inscrit dans un club de sport. Inscrit dans un club de sport ou un garçon, probabilité de S union F bar, donc ou. Et D, un garçon, sachant qu'il est inscrit dans un club de sport, donc c'est probabilité de F bar, sachant S. Donc c'est bien la réponse A. 2. La probabilité de F est égale à 0,47. P de F est égale à 0,47.
0, 40. P de F inter S sur P de F. On sait que P de F c'est 0, 47. Donc P de F inter S c'est 0,3 fois 0,4. C'est 0,12 sur 0,47. Donc ça c'est à peu près égal à 0,12 sur 0,47. 0,25, 5. Donc ici c'est la réponse B. Partie B. Alors ici on a la fonction g de x égale à moins x au cube plus 3x carré moins 1. On veut l'équation de la tangente à la courbe CG, point d'abscisse 1. Donc y est égal à g prime de 1, x moins 1 plus g de 1. Alors, g de 1 moins 1 au cube plus 3 fois 1 au carré moins 1. Moins 1 au cube, donc c'est 1 au cube c'est 1, moins 1, moins 1. Plus 1 au carré, ben ça fait 1, 3, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2, plus 3, 1. Donc g de 1 est égal à 1. G prime de 1. Alors g prime de x. G prime de x, eh bien c'est moins 3x au carré plus 6x. Ici, g prime de 1, moins 3 fois 1 au carré plus 6 fois 1, moins 3 plus 6, 3. Ainsi, y est égal à 3x moins 1 plus 1. 3x moins 3 plus 1, 3x moins 2. Réponse B. On rappelle, g de x est égal à moins x au cube plus 3x carré moins 1. Alors la valeur moyenne, mu, entre moins a, moins 1 et a, 1 sur a moins moins 1, intégrale entre moins a et a de g de x dx. Donc 1 sur a plus 1 intégrale entre moins 1 et a de moins x au cube plus 3x carré moins 1 dx. 1 sur a plus 1. Donc ici, primitive, moins x puissance 4 sur 4, plus x au cube sur 3, 3 sur 3, 1, x au cube, moins x, entre moins a et a. Donc ici, 1 sur a plus 1, moins a puissance 4 sur 4, plus a au cube, moins a, moins moins 1 puissance 4, ça fait 1, moins 1 quart, moins 1, plus 1. Donc ici, on va avoir 1 sur a plus 1, moins a puissance 4 sur 4, plus 1 quart, plus a puissance 3, moins a. Tout ça égale à 0. Égale à 0. Donc si on multiplie ici par donc a plus 1 par 0, on va trouver moins a puissance 4 sur 4, plus a au cube moins a, plus 1 quart, égale à 0. Alors si on multiplie par 4 aussi, on peut voir moins a puissance 4 plus 4a au cube moins 4a plus 1 égale à 0. Alors on arrive à l'équation moins a puissance 4 plus 4a puissance 3 moins 4a plus 1. Et maintenant, on nous propose des réponses. Donc, on va vérifier si les différentes réponses là vérifient l'équation. Alors pour a égale à 0, 0 plus 0, 4 fois 0, 0, moins 4 fois 0, 0, plus 1. 1, différent de 0. Donc ce n'est pas a égale à 0. A égale à 2.
Donc ici, on aura moins 2 puissance 4, ça fait 16, plus 4 fois 2 puissance 3, 8, 24. Donc on aura moins 16 plus 24, moins 4 fois 2, 8, plus 1. Donc ici, on aura 24, moins 24, plus 24, plus 1, c'est différent de 0. Donc ce n'est pas A égale à 2. A égale à 3, ça ferait moins 3 puissance 4, donc 9 au carré 81, moins 81, plus 4 fois 3 au cube, donc 4 fois 27, moins 4 fois 3, plus 1. Donc ici, on aurait moins 81, plus, donc on aurait 8, 9, 99, 98, moins 12, plus 1. Donc ici, on aurait 99, 99, moins 93, ça serait différent de 0. Donc la réponse A égale à 3 ne convient pas. Donc ce sera la réponse A égale à 1, on peut vérifier. Moins 1 puissance 4, 1 puissance 4 c'est 1, moins 1, plus 4 fois 1, donc plus 4, moins 4, 4 moins 4, 0, moins 1, plus 1, 0, donc ça fait bien 0. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B, A égale à 1. Troisième exercice, pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité et pour les candidats de la série L. Un lac de montagne est alimenté par une rivière et régulé par un barrage situé en aval d'une hauteur de 10 mètres. On mesure le niveau de l'eau chaque jour à midi. Le 1er janvier 2018, à midi, le niveau du lac était de 6,05 m. Entre deux mesures successives, le niveau d'eau du lac évolue de la façon suivante. D'abord, une augmentation de 6% à bord de la rivière. Ensuite, une baisse de 15 cm écoulement à travers le barrage. 1. On modélise l'évolution du niveau d'eau du lac par une suite UN. Le terme UN représentant le niveau d'eau du lac à midi en centimètres, N jours après le 1er janvier 2018. Ainsi, le niveau d'eau du lac en centimètres, le 1er janvier 2018, est donné par U0 est égal à 605. A. Calculer le niveau du lac en centimètres le 2 janvier 2018 à midi. B. Montrer que pour tout N appartenant à N, UN plus 1 est égal à 1,06 UN moins 15. 2. On pose pour tout n appartenant à n, vn est égal à un moins 250. A. Montrer que la suite vn est géométrique de raison 1,06. Préciser son terme initial. B. Montrer que pour tout n appartenant à n, un est égal à 355 fois 1,06 puissance n plus 250. 3. Lorsque le niveau du lac dépasse 10 mètres, l'équipe d'entretien doit agrandir l'ouverture des vannes du barrage. A. Déterminer la limite de la suite UN. B. L'équipe d'entretien devra-t-elle ouvrir les vannes afin de réguler le niveau d'eau ? Justifier la réponse. 4. Afin de déterminer la première date d'intervention des techniciens, on souhaite utiliser l'algorithme incomplet ci-dessous. A. Recopier et compléter l'algorithme. B. À la fin de l'exécution de l'algorithme, que contient la variable n? C. En déduire la première date d'intervention des techniciens sur les vannes du barrage. Alors, question 1A, on va calculer U1. Donc, U1, on a d'abord une augmentation de 6%. Donc, augmentation de 6% correspond à un coefficient multiplicateur de 1,06. Qui vont faire 605 fois 1,06, baisse de 15 cm, donc moins 15. 605 fois 1,06, moins 15, on va trouver 626,3. U1 égale à 626,3. Alors, B, U, N plus 1 représente le niveau du lac N plus 1 jour après 1er janvier
2018. Donc, c'est caractérisé par 1,06 coefficient multiplicateur de l'augmentation de 6% qui correspond donc ici à apport de la rivière. Apport de la rivière. UN représente le niveau du lac N jours après le 1er janvier 2018. Et moins 15, c'est donc baisse du niveau du lac grâce à l'ouverture, grâce à l'écoulement à travers le barrage. Donc on a bien UN plus 1 est égal à 1,06 UN moins 15. On suppose donc VN égale à UN moins 250. Montrer que la suite VN est géométrique. Donc on va calculer VN plus 1 et on va montrer que VN plus 1 est égal à Q fois VN. VN plus 1 est égal à UN plus 1 moins 250. UN plus 1 c'est 1,06 fois UN moins 15 moins 250. 1,06 UN moins 265. Donc là, on va devoir factoriser par 1,06 UN. Donc on a le facteur 1,06 UN. Là, on n'a pas le facteur 1,06, donc on va diviser par 1,06. Donc 265 divisé par 1,06, 250. 1,06 UN moins 250. On retrouve bien. Ici, donc on retrouve 1,06 VN. Donc VN est une suite géométrique. VN, suite géométrique de premier terme, donc de raison 1,06 de premier terme. Donc de premier terme, V0 égale à U0 moins 250. 605 moins 250. On va trouver 355. B. Montrer que pour tout n appartenant à n, un est égal à 355 fois 1,06 puissance n plus 250. Donc vn est une suite géométrique de raison 1,06 puissance n et de premier terme v0 est égal à 355. Donc vn est égal à 355 fois 1,06 puissance n. C'est V0 fois Q puissance N. Or, VN est égal à UN moins 250. Donc UN est égal à VN plus 250. Donc UN est égal à 355 fois 1,06 puissance N plus 250. Donc on a bien UN est égal à 355 fois 1,06 puissance n plus 250. Alors ici, quand ça dépasse 10 mètres, l'équipe d'entretien doit agrandir l'ouverture des vannes. Alors la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est limite quand n tend vers plus l'infini de 355 fois 1,06 puissance n plus 250. Or, 1,06 supérieur à 1, donc limite quand n tend vers plus infini de 1,06 puissance n, c'est égal à plus infini. Donc, conclusion, limite quand n tend vers plus infini de 355 fois 1,06 puissance n plus 250. Ça tend vers plus infini, donc 355 fois plus infini, ça fait plus infini, plus un nombre fixe, eh bien ça donne plus infini. L'équipe d'entretien devra-t-elle ouvrir les vannes? Oui. L'équipe d'entretien
devra ouvrir les vannes, car le niveau du lac augmente constamment, et même indéfiniment. Donc elle va devoir ouvrir les vannes pour réguler donc le niveau d'eau. Alors l'algorithme, donc un algorithme de seuil, on veut savoir quand est-ce que U supérieur à 1000. Donc ici, tant que U est inférieur à 1000, supérieur ou égal à 1000, U, bien UN plus 1 est égal à 1,06 UN, donc moins 15. Donc U c'est 1,06 fois U, moins 15. Alors on peut aussi utiliser cette expression, 355 fois 1,06 puissance N plus 250, et c'est moins usuel. Donc ici l'algorithme est complété. À la fin de l'algorithme, que contient la variable n, on peut se faire une première idée à la calculatrice. La suite, donc un plus 1, c'est 1,06 un plus moins 15. Et on commence à 605. Tableau, jusqu'à 20. Voilà, donc au-dessus de 1000, eh bien, c'est à partir de 13 jours, après le 1er janvier 2018. Alors, algébriquement, on va devoir résoudre l'inéquation suivante. 355 fois 1,06 puissance n plus 250 supérieur à 1000. Donc 355 fois 1,06 puissance n supérieur à 750, donc 1000 moins 250. On va diviser par 355. Donc ici 1,06 puissance n supérieur à 750 divisé par 355. Ici on peut utiliser le logarithme pour faire descendre la puissance, donc ln de 1,06 puissance n supérieur à ln de 750 sur 355. N ln de 1,06 supérieur à ln de 750 sur 355. Donc ici on utilise la propriété ln de a puissance n est égal à n fois ln de a. Donc ici, n supérieur à ln de 750 sur 355 sur ln de 1,06. Vous remarquerez qu'on n'a pas changé le sens de l'inéquation, car ici on divise par un nombre positif, et là on va diviser par un nombre positif car 1,06 est supérieur à 1. Donc n est supérieur à, donc ln de 750 sur 355 sur ln de 1,06. 12,84. Donc, à partir du 13e jour après le 1er janvier 2018, donc ici, on va dire 14 janvier 2018, car 1er janvier c'était 0, 2 janvier c'est 1, etc., etc. 13 jours après le 1er janvier 2018, c'est 14 janvier. À partir du 14 janvier 2018, les techniciens vont devoir ouvrir les vannes du barrage. Alors, exercice 3. Pour les candidats de la série ES qui ont suivi l'enseignement de spécialité. Donc un exercice sur les graphes.
Partie A. Un parcours sportif est composé d'un banc pour abdominaux, de haies et d'anneaux. Le graphe orienté ci-contre indique les différents parcours conseillés partant de D et terminant à F. Les sommets sont D départ, B banc pour abdominaux, H et A anneaux et F fin du parcours. Les arêtes représentent les différents sentiers reliant les sommets. 1. Quel est l'ordre du graphe ? 2. On note M la matrice d'adjacence de ce graphe où les sommets sont rangés dans l'ordre alphabétique. A. Déterminer M. B. On donne M au cube, la matrice 0, 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 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Asia souhaite aller de D à F en faisant un parcours constitué de 3 arêtes. Est-ce possible ? Si oui, combien de parcours différents pourra-t-elle emprunter ? Préciser ses trajets. 3. Asia a relevé ses temps de course en minutes entre les différents sommets. Ces durées sont portées sur le graphe ci-dessous. Lors d'un entraînement, Asia souhaite courir le moins longtemps possible en allant de D à F. Déterminer le trajet pour lequel le temps de course est minimal et préciser la durée de sa course. Partie B. Le responsable souhaite ajouter une barre de traction dotée T. De nouveaux sentiers sont construits et de nouveaux parcours sont possibles. La matrice d'adjacence N associée au graphe représentant les nouveaux parcours dans lesquels les sommets sont classés en ordre alphabétique et N est égal à 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Complétez l'annexe 1 à rendre avec la copie en ajoutant les arêtes nécessaires au graphe orienté correspondant à la matrice N. Alors, quel est l'ordre du graphe ? Donc, l'ordre du graphe, c'est le nombre de sommets qu'il y a dans le graphe. Donc, ordre de G. Eh bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 sommets dans le graphe. Donc, l'ordre du graphe, c'est 5. Alors, déterminer M. M égale à, on va peut-être mettre le graphe. C'est une matrice 5 x 5. 5 x 5. Avec des 1 et des 0. Alors, donc, par ordre alphabétique. A, B, A, B, D, F, H. A, B, D, F, H. A, B, D, F, H. Donc, on entre, on va de ce bord-là à ce bord-là. Alors, est-ce qu'il y a une arête qui va de A vers A. Non. 0. De A vers B. Oui. De A vers D. Non. On va de D vers A, mais pas de A vers D. Non. De A vers F. Oui. De A vers H. Non. B. De A, de B vers A. Non. De B vers B. Non. De B vers D, non plus. De B vers F, oui. De B vers H. De B vers H, non. D, on va de D en A, oui, on peut y aller. De D en B, oui. De D en D, non. De D en F, non. Et de D en H, oui. F, c'est l'arrivée donc 0, 0, 0, 0. On peut pas aller, on peut pas partir du sommet F. H, de H vers A, oui. De H vers B, oui. De H vers D, non. De H vers F, oui. De H vers H, non. Donc voici la matrice d'adjacence de du graphe, donc c'est la matrice M. Alors, M au cube, donc là c'est, on a A, B, D, F, H, non, A,
BDFH. Donc M au cube nous donne le nombre de chemins de longueur 3. Donc en partant donc de ces sommets-là, donc là de A vers F par exemple, de D vers B, de D vers B ici, il y a un chemin de longueur 3. On va aller de D à F, donc de D à F, donc on est ici, en faisant un parcours constitué de 3 arêtes. Donc ici, c'est possible, car M3DF, on note comme ça, on va dire que c'est égal à 3. On pourrait dire que c'est, si on note A, IJ, c'est coefficient. Donc c'est A, donc I c'est l'indice de ligne, J la colonne, donc A, 3, 4. Égal à 3. Donc si oui, combien de parcours différents pourra-t-elle emprunter ? Ben 3. Donc nombre de parcours constitués de 3 arêtes. 3 arêtes. Partant de D vers F. Alors précisez les trajets. Donc ici, on va aller de D, on va aller ici H, B, F, donc D, H, B, F, D, H, A, F, D, H, A, F, donc D, A, B et F. Donc il y a trois chemins, trois arêtes, D, H, B, F, D, H, A, F et D, A, B, F. Alors, algorithme de Dijkstra. On commence en D, A, B, H et on finit en F. Donc D, 0, infini, infini, infini et infini. Mais infini parce qu'on ne peut pas atteindre, on n'a pas encore atteint A, B, H, F. On commence en D. Donc D, 0, peut être en jaune. Et donc on ne peut pas atteindre, F, donc infini. Donc en D, donc ici, D, D, D. Alors en A, c'est 28, donc 28, D. En B, 40. Et en H, 19. Alors le plus petit, ben, c'est H. Donc on peut surligner en rouge, H. On a donc H, on peut aller en B, donc 16, donc 19 plus 16, 35, c'est plus petit que 40, donc on peut mettre à jour cette case, 35H. De H en A, c'est 26, 19 plus 26 est supérieur à 28, donc on peut garder 28D. Donc ici, on peut mettre un trait. Et en F, donc 19 plus 32, 51. Ici, 51H. Le plus petit, maintenant, c'est A. Donc on peut colorier en bleu A. Donc ici, on peut faire un trait. Donc vers F. Donc vers F, c'est 25. 28 plus 25, 53. Donc 51 plus petit, donc on garde 51. 51H. On peut aller en A vers B en 12. 28 plus 12, 40. Donc on garde 35. 35H. Le plus petit, c'est 35. Donc c'est B, sommet B. Donc là, on peut ajouter 14. 35 plus 14, ça fait 49. Donc 49B. 49B. Et donc, c'est le plus court chemin. 49B. Donc, on peut, donc le chemin correspondant, c'est F, B, H, D, DH, BF. Donc, longueur
49. Alors, ici, on a à nouveau une nouvelle matrice d'adjacence. Donc, on va compléter le graphe. Donc, on a A, B, D, F, H, et donc là, on a T. Donc, ici, on a T. De T, si de T, on peut aller vers F. Donc, de T, on peut aller vers F. T, on peut aller vers F. Voilà. Ensuite, de T, alors il y a A. On va de A dans, vers T. Et on peut aller de H en T. De H en T. Voilà. Donc, les flèches. Donc, on va de H en T, de A en T et de T vers F. Donc, voici les flèches correspondant et donc le graphe correspondant à la matrice d'adjacence N. Bien, dernier exercice du sujet. Donc, un exercice sur les fonctions. On désigne par F la fonction définie sur l'intervalle moins de 4 par F de X est égal à 2X plus 1 fois exponentielle moins 2x plus 3. On note CF, la courbe représentative de F dans un repère. Une représentation graphique est donnée en annexe. On note F', la dérivée de F. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé moins 2, 4, F' de x est égal à moins 4x exponentielle moins 2x. 2. Étudier les variations de F. 3. Montrer que l'équation F de x est égal à 0 admet une unique solution sur moins 2, 0. Donner une valeur approchée au dixième de cette solution. 4. On note f seconde, la fonction dérivée de f'. On admet que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé moins 2, 4, f seconde de x est égal à 8x moins 4 fois exponentielle moins 2x. A. Étudier le signe de f seconde sur l'intervalle moins 2, 4. B. En déduire le plus grand intervalle sur lequel f est convexe. 5. On note g, la fonction définie sur l'intervalle moins de 4 par g de x est égal à 2x plus 1 exponentielle moins 2x. A. Vérifier que la fonction grand G définie pour tout x appartenant à moins de 4 par grand G de x est égal à moins x moins 1 exponentielle moins 2x est une primitive de la fonction g. B. En déduire une primitive grand f de petit f. 6. On note A, l'aire du domaine D compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1. A, assurer le domaine D sur le graphique donné en annexe à rendre avec la copie. B, par lecture graphique, donner un encadrement de A en unité d'air par deux entiers consécutifs. C, calculer la valeur exacte de A puis une valeur approchée au centième. Alors f de x, ici f de x est égal à 2x plus 1 fois exponentielle moins 2x plus 3. Donc la dérivée de 3, bah ça va être 0. Donc ici, u de x est égal à 2x plus 1. U' de x est égal à 2. V de x est égal à exponentielle moins 2x. V' de x est égal à moins 2 exponentielle moins 2x. Donc, f' de x, ici, c'est égal à u'v, donc 2 exponentielle moins 2x, plus moins 2 exponentielle moins 2x, donc moins 2 exponentielle moins 2x fois 2x plus 1. Donc ici, 2 exponentielle moins 2x, moins 4x plus 2, exponentielle moins 2x. Donc on peut factoriser par exponentielle moins 2x, moins 4x, moins 2, plus 2. Et donc ça, c'est moins 4x, exponentielle moins 2x. C'est bien ce qu'il fallait trouver. Étudier les variations de f, donc on va étudier le signe de f'. F' de x est égal à moins 4x, exponentielle moins 2x. Donc sur l'intervalle moins 2, 4. Sur moins 2, 4. Comme exponentielle moins 2x supérieure à 0,
positive, f' de x est du signe de moins 4x. Or, moins 4x est égal à 0. Bah, x est égal à 0. A étant négatif, eh bien, c'est positif quand x est négatif, négatif quand x est positif. Donc, le tableau de variation est le suivant. Donc, x, donc ici c'est f, le prime de x, f, donc 0, moins 2, 4. Ça s'annule en 0, la dérivée s'annule en 0, plus, moins, donc croissant, décroissant. Alors on rappelle que f de x est égal à 2x plus 1 exponentielle moins 2x plus 3. On va calculer f de moins 2. F de moins 2, eh bien, c'est égal à 2 fois moins 2 moins 4 plus 1. Exponentielle moins 2 fois moins 2, 4 plus 3. Donc ici, moins 3 exponentielle de 4 plus 3. Donc moins 3 exponentielle de 4 plus 3. Ça nous donne moins 160,80 moins 160,79 moins 160,79. F de 0, bah 2 fois 0 ça fait 0 plus 1. Exponentielle de moins 2 fois 0 ça fait 1. 1 plus 3 ça fait 4. Donc f de 0 c'est 4. Et f de 4, alors c'est 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Donc 9 exponentielle, donc moins 2 fois 4 moins 8 exponentielle moins 8 plus 3. 9, donc 9 exponentielle moins 8 plus 3. 3,003. Donc à peu près 3,003. Bon, voici le tableau de variation de f. Montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution sur moins 2, 0. Donc f est continu sur moins 2, 0. On voit que f est strictement croissante. F est strictement croissante sur moins 2, 0. On sait de plus que f de moins 2 est égal à moins 160,79, qui est inférieur à 0. Et f de 0 est égal à 4, supérieur à 0. Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, ou alors le théorème de la bijection, l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution sur l'intervalle moins 2, 0. Et cette solution, on peut la retrouver sur la calculatrice. Donc ici on tape la fonction. Et dans le tableau, donc on regarde quand est-ce que ça dépasse, donc on est sur l'intervalle moins 2, 0. Quand est-ce que ça dépasse 0, donc entre moins 1 et 0. Moins 1 et 0 avec un pas de 0, 1. Donc ici, entre moins 0,9 et moins 0,8. Donc là, ce serait pour un encadrement. Pour une valeur approchée, on pourrait mettre ici, ajouter une fonction, on pourrait mettre 0. Et on fait l'intersection des deux. Intersection, donc ici on aurait moins 0,8. Donc ici, alpha est à peu près égal à moins 0,8. Alors, étudier le sigme de f seconde sur l'intervalle moins 2, 4. Donc ici, comme exponentielle moins 2x est toujours positive sur moins 2, 4, eh bien, f seconde est du signe, donc f seconde de x est du signe de 8x moins 4 sur moins 2, 4. 8x moins 4, on résout 8x moins 4 égale à 0, 8x est égal à 4, x est égal à 1/2. Donc on a le tableau de signes suivant, f seconde de x, donc on aurait
c'est moins 2, 1 demi, 4. Le signe de, ici le signe de A est positif, donc ce serait moins plus. Donc conclusion, en déduire le plus grand intervalle sur lequel f est convexe, donc f est convexe c'est seulement si f seconde de x est positif, donc f seconde de x positif sur l'intervalle 1 demi 4, donc f est convexe sur 1 demi 4. Alors g, la fonction définie sur l'intervalle par g de x est égal à 2x plus 1 exponentielle moins 2x. Alors on va vérifier que moins x moins 1 exponentielle moins 2x est une primitive de petit g. Donc on va dériver grand g. Donc u de x est égal à moins x moins 1, u prime de x est égal à moins 1. V de x est égal à exponentielle moins 2x, et prime de x est égal à moins 2x, moins 2 exponentielle moins 2x. Alors ainsi, u prime v moins exponentielle moins 2x, moins 2 moins x moins 1 exponentielle moins 2x. On va pouvoir factoriser par exponentielle moins 2x, moins 1, moins 2 fois moins x plus 2x, moins 2 fois moins 1 plus 2. Donc il va rester 2x, 2 moins 1, 1, 2x plus 1 exponentielle, moins 2x. Et donc ça c'est égal à petit g de x, donc grand g est une primitive de petit g. Alors f de x est égal à 2x plus 1 exponentielle moins 2x, plus 3, donc c'est petit g de x plus 3. Donc ici, voilà la primitive, grand f, et là c'est grand g de x plus 3x. Moins x moins 1, exponentielle moins 2x plus 3x. Voici la primitive de petit f. Alors, assurer le domaine sur le graphique donné en annexe. On va de là. Donc ici, on va de, bon, x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 1, y, donc l'axe des abscisses, et la courbe. Donc, le domaine D à assurer, bien, c'est celui-là. Par lecture graphique, donner un encadrement par deux entiers consécutifs. Attention ici aux unités, donc là ça fait 2, donc on peut dire 3 même, 3 et 4. Donc l'air A est compris entre 3 et 4. C'est calculer la valeur de A, donc ici A est égal donc à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, f de x dx. On a déjà une primitive, moins x moins 1, exponentielle moins 2x plus 3x entre 0 et 1. Donc f de grand f de 1 moins grand f de 0. Alors grand f de 1 moins 1 moins 1, exponentielle de moins 2 plus 3 moins 0 donc moins 1. Exponentielle de moins 2 fois 0, 0, plus 3 fois 0. Moins 1, moins 1, moins 2, exponentielle moins 2, plus 3. Moins par moins plus, exponentielle de 0, plus 1. Donc moins 2, exponentielle moins 2, plus 4. On peut avoir une valeur approchée au centième avec la calculatrice. Moins 2 exponentielle moins 2 plus 4. 3,73. On peut vérifier sur le graphique.
donc ici, calculer l'intégrale, intégrale entre 0 et 1. On trouve bien 3,73.